Ah, la vache, c'est vraiment flippant. Qu'est-ce qu'il y a? Grim est en train de t'enfoncer des fils dans la tête, mec. Il faut juste que je synchronise le signal de cryptage entre ces intradermiques et Fort Meade. Wilkes, allume pas ce truc. Je sais, c'est pour après l'atterrissage. Tu ferais mieux de te bouger, Grim. On atterrit en Géorgie dans 15 minutes. Ça y est, j'ai fini. Lambert? Hey, Irving, est-ce que vous me recevez? Dites-lui que je la reçois. Il te reçoit. Bon, vous êtes prêts à vous y mettre? Ça irait beaucoup mieux si vous me disiez ce qui se passe. Vous savez tout ce que vous devez savoir. La CIA a perdu Alice Madison, une taupe infiltrée dans le cabinet du président géorgien Combine Nicoladze. Ils ont envoyé l'agent William Robert Blaustein à sa recherche et lui aussi a disparu. On travaille là-dessus en coopération avec la CIA? Blaustein est équipé de puces intradermiques identiques aux vôtres. Ça devrait vous permettre de le retrouver. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Vous ne serez pas seul, Fisher. Je ferai le lien avec les 10 meilleurs analystes de la NSA. Il vous faudrait une semaine pour saisir toutes les subtilités de la situation politique en Géorgie. Je commence à connaître ce discours par cœur, Lambert. Alors faites comme si c'était vrai. C'est la première mission d'Echelon 3. Tout doit se passer comme sur des roulettes. Vous êtes sur le point de vous poser en Géorgie. Préparez-vous. Il fait nuit. À vous de jouer. Votre priorité, c'est de trouver l'agent Blaustein. Vous le localiserez grâce à un contact local de la NSA. Je suis en route. Et évitez les rues. La police est très présente dans cette ville. Et on n'aura pas le soutien de Washington si ça dégénère en incident. Consultez votre montre terminale. Alors bonjour à tous et à tous, ici Amargos X3. Aujourd'hui on se retrouve pour mon épisode 2 dans mon walkthrough, replay ou appelez ça comme que vous voulez, de Splinter Cell, premier du nom. Puis nous sommes dans la mission poste de police qui est la... Il y a du monde qui vont dire que c'est la deuxième. Moi je considère pas vraiment l'entraînement comme une mission, c'est plus un tutoriel. Alors ça faisait un petit moment que... Comment je peux monter sur le poteau? Ok, j'ai juste à aller foncer dedans, puis il va grimper tout seul, c'est ça. Puis, c'est avant je sortais vraiment beaucoup de vidéos, je sortais. L'époque Gorgon était là-dedans. Pas besoin de vous le dire, vous le savez déjà. Il va falloir vous dépêcher. Grims Dottir va vous guider. Elle a une carte sonar fournie par notre drone, Darkstar, et les plans de l'entrepôt. Bon, avant de se garder, puis que l'autre a commencé à tout me dire, puis que je puisse plus parler. Bref, ça, avant, je sortais une ou deux vidéos presque à tous les jours. Je sais qu'une année, j'ai sorti trois vidéos en une journée, c'était vraiment intense. Puis là, je continue à sortir des vidéos, mais tu sais, ça se peut que ça prenne vraiment du temps. Mais tu sais, mettons, il y a Middle of Honor qui va... sortir, ou bien Black Ops, là c'est sûr je vais faire des vidéos, mais tu sais ça va pas être vraiment comme des vidéos back-à-back intenses, parce que j'ai d'autres choses à faire, j'ai mon école qui va bientôt recommencer, mon cégep, puis nous allons continuer, sauvegarder, hop, comme ça. Ah, oh, ça fait du bien de jouer un jeu Sam, tranquille. Sam, ici Grims de tir. Si je te dis de sauter, me demande pas comment, obéis. Je vais te sortir de là. Il y a une pièce de l'autre côté du couloir. Vas-y tout de suite. Quoi? Quoi? Oh. Bon sang, excuse-moi, Fisher. Retourne dans le couloir et va jusqu'à l'escalier à l'autre bout. Dépêche-toi, t'as que quelques secondes. On va faire des roulades dans celle-là. Ok. Et hop. C'est inquiétez-vous pas, je connais pas mal le jeu. C'est comme ça. Allez, hop. Comment ça déjeuner? Ah, maudite maman stressante.
Hop. La vache, on a eu chaud. Tourne à gauche tout de suite et traverse la pièce. Tu vas voir un escalier dans l'angle opposé. Monte au dernier étage. Et voilà. Ton contact est dans cette pièce. J'espère qu'il n'est pas mort. Gerganidze. Oui. Je suis de la NSA. On va te sortir de là. Ne te fatigue pas. Je suis déjà mort. Tu cherches Blostein et Madison. Oui. Madison était bien infiltrée au cabinet de Nicolas. Elle était sur un gros coup. Blostein devait savoir ce que c'était. Comment je le retrouve? La boîte noire de Blostein. Le relais de suivi de ses intradermiques. Elle est dans sa planque, juste à l'est de Morivis Square. Lambert, on a les moyens d'évacuer ce type? Laisse tomber. Madison est tombée sur un truc énorme. Elle disait, si j'ai des preuves, c'est la guerre. Je crois que Nicolas voulait... Gerganidze est mort. Laissez-le aux flammes. Ce sera ça de moins expliqué à sa famille. Tu as une sortie sécurisée sur le côté ouest de la pièce, vas-y. La fenêtre est là. Tac. Hop. Tac. La première mission est déjà terminée. Ben non, je rigole. Et hop, fini le chargement. Continuons notre mission. Oui, comme ça. Continuez. C'était juste. Vivant? Je fais ce que je peux. Bon, la boîte noire de Blaustein est votre prochain objectif. S'il suit la procédure standard, elle doit être derrière une fausse bibliothèque ou une fausse prison. Yep. Bon. Passez-moi Trinko. Parce que j'ai des ordres. Je ne dois parler qu'à Vyacheslav Trinko en personne. Monsieur Trinko, ici que te va. On a fouillé l'appartement de l'Américain. On n'a rien trouvé d'autre. Cinq autres micros, deux caméras et du matériel électronique qu'on n'a pas pu identifier. On les a déjà envoyés au ministère. Bien sûr. Merci. Il y a du monde qui vont dire que j'essaye trop de la jouer discrétion totale. Mais c'est en fait c'est un peu le but du jeu. Alors si je me souviens bien, il y a un doute qui est supposé venir. Est-ce qu'il y a lui? Hein? Il y a juste la vision nocturne dans celle-là? Mais non, ça se peut pas. Alors, est-ce qu'il y a le truc pour... Non, il l'a pas. Ah merde. Bon, toi tes mouvements, c'est... Tu restes vraiment là, tu bouges pas. Ok, c'est bon. Puis y'a... L'autre, y'est où l'autre? Il y a un deuxième dos qui est supposé être là. Bon, puis il s'en vient. Hop. Bon, lui s'en va. Oh oh, je viens de faire la pire gaffe de ma vie.
pourrais très bien lui tuer, mais non. Ce n'était sûrement rien. Allez, le Georgien. Juste voir comment il ouvre les portes. Ok. Ça en va devant la TV. Ok, parfait. Ok. Ok, je pense que c'est le temps. Hop. Merde. Non. Ok. Non, mais sérieusement, je vais recommencer, là. Charger partie. Toi, comme ça. C'était juste. Tac. Vous êtes encore vivant? Je fais ce que je peux. Bon, la boîte noire de Blaustein est votre prochain objectif. S'il suit la procédure standard, elle doit être derrière une fausse bibliothèque. Merde. Oh. Monte. Excusez les gens. Là, il y a l'autre doute qui va parler. Passez-moi, Gringo. Parce que j'ai des ordres. Non. Je ne dois parler qu'à Vyacheslav Gringo en personne. Imbécile. Et c'est Katevan. On a fouillé l'appartement de l'Américain. On n'a rien trouvé d'autre. 5 autres micros, 2 caméras et du matériel électronique qu'on n'a pas pu identifier. On les a déjà envoyés au ministère. Bien sûr. Non. Là, il y a lui qui va aller dans le coin là-bas. Là, il est supposé avoir l'autre dude qui s'en vient. Quoi? Non. Ça, les amis, non. Je dis non à ça. C'est Je fais ce que je peux. Bon, la boîte noire de est votre prochain objectif. S'il suit la procédure standard, elle doit être derrière une fausse bibliothèque ou une fausse cloison. Passez-moi, Gringo. Hop. Parce que j'ai des ordres. Je ne dois parler qu'à Gringo en personne. Lâche la clôture, Sam. Et c'est Katevan. On a fouillé l'appartement de l'Américain. On n'a rien trouvé d'autre. Oh, il y a juste la vision nocturne. Je pense qu'on est encore dans le tutoriel. On les a déjà envoyés au ministère. Bien sûr. Merci. Mais qu'est-ce que je comprends pas, c'est que lui, il m'a vu. Mais lui, il est pas supposé bouger de là. Puis il y a les bruits de pas du gars qui est en bas, pis c'est vraiment fatigant. Sous le lait. Oui, je te l'ai déjà dit, il n'y a rien d'autre ici. Gringo a dit de faire un dernier... Première craque qui s'en va. Non, c'est bon. Ah, c'est incroyable ici. Bon, alors... Attendez deux secondes, parce qu'ici, il n'y a aucun respect pour la vie privée des gens. Hop. On glisse ça ici. Utiliser l'ordinateur. Bon sang! Quoi de neuf? Le cœur de Blaustein s'est arrêté il y a 43 heures. C'est possible que la CIA soit pas au courant. Non. Ils auraient pu prévenir. L'intradermique s'est éteint 6 heures après sa mort. Ok. Sa dernière position est un commissariat pas très loin. Ok. Consultez votre montre terminale. Alors, le code c'est... Ah...
Trouver l'endroit où Jenny était déposé à qui, blablabla. 091772. Ah. 0 1 9 7 7 2. Dépêche. Quoi? Non 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 non, tu niaises là. Ok, carte. Non non, c'est pas là dedans. Non, c'est pas ça. Wow wow wow. Code de la porte de derrière, 091772, c'est ça. 0 1 9 7 7 2. Hey, tu me niaises. Oh, ok, j'inverse le 1 19, c'est que je suis con. Alors c'est 0 9 1 7 7 2. Ah bon, c'est ça. Hop, ouvrez la porte et bam, un ennemi. Bon, je sens qu'on va bien rigoler. Hop. Et hop. Allez. Hop, allez. Alors, continuons notre aventure. Ok, lui, il aurait pu me voir. Tac. Parce que le but, en fait, ben, selon moi, le but, quand tu joues à Splinter Cell, et hop, accroche-toi. C'est de tuer aucun ennemi, à part quand c'est vraiment comme obligatoire, tu peux juste rien faire, tu peux pas passer sans le tuer. Puis, Fisher, ok. J'annule l'interdiction d'emprunter les rues. On a écouté les fréquences radio de la police de Tbilissi. Ces flics sont aussi pourris que de la viande avariée. Ils n'ont pas plus intérêt que nous à attirer l'attention internationale. Passez où vous voulez et faites tout ce qu'il faudra pour retrouver ces ennemis. Ok, cool. Ah, je peux tuer n'importe qui. Puis c'est ça, c'est tirer aucune lumière. À part quand c'est vraiment. Tu sais, faut vraiment tirer quand c'est réellement important. Porte, format, clé. Ok. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Non, non, nul, nul. La dalle, non. Et tu me gagnes ça? Tac. Bon, on va enlever cette vision de merde. Hop. Hop. Et. Hop. Encore! Un quatrième! Tac. Bon, ouvre la porte. Tac. Bon, sauvegarder. Oui. Merci. Alors là, ça, si je me souviens bien, ça va vraiment être un bout assez difficile, short, comme on peut dire. Une cellule en prison, ça coûte cher. Ah, il y a l'alcoolique. Tu as à peine les moyens de t'offrir un loyer à la mort. Pierre Tombal, c'est pas vrai. Je suis sûr qu'on peut facilement. Mais écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. J'ai rien fait. S'il vous plaît. Comment ça, rien? Tu es en état d'ivresse? Agression d'un officier de police? Insulte? Diffamation? Tu nous as accusés d'être corrompus. Alors arrêtez-moi. Je veux dormir. T'as pas écouté, on dirait. Les loyers ont augmenté en prison. Si tu veux mourir ce soir, c'est gratis. Si tu veux dormir, il faut payer sans l'arrêt. Pitié, j'ai pas... J'ai pas... Ah... Qu'est-ce qu'on va faire de lui maintenant? Fouille ses poches. J'appelle le QG. D'accord. Unité 3 à QG. On a un homme à terre. Agression possible. Envoyez une ambulance. Bien reçu, Unité 3. Mais on a un incendie dans un entrepôt. Va falloir attendre. Bien reçu, QG. On attend avec la victime. Unité 3 terminée. Agression? On mettra ça sur le dos de Costa. Bonne idée. Ah, sont corrompus. Bon, alors ici c'est vraiment comme un moment de synchronisation. Ok. Ah,
Hop. Ah, lui, il peut pas me voir. Les autres, c'est quoi leur mouvement? Eux, je pense qu'ils bougeaient pas. Ok. Puis lui, il s'arrête là. Ah, il a de l'air à continuer sa route. Ok. Puis il y a le dude à la fenêtre. Ok, mais c'est ça. Ok. Est-ce qu'il va aller à l'autre fenêtre? Ouais, ok. Puis après. Après, il s'en va. Là, il y a sûrement l'autre dude qui va venir. Ok. Le gars à la fenêtre, puis le gars qui revient. Parfait. Il va, ok, il s'arrête. Environ de 2 à 3 secondes. Puis il y a toujours le gars à la fenêtre, que lui, ça prend quelques secondes avant qu'il revienne. On va juste se cacher. Ok. Tac, parfait. Merci, man. Ah, maudit. Comme de faire une vidéo, puis pas moyen d'être tranquille. Bon. Oh, y'a le dude. Hein? What the hell? Ah, ok, ouais. Faut que je fasse gaffe à lui. Alors. Hop. Il y a le dude qui va bientôt revenir, puis il va falloir que je fasse attention au gars à la fenêtre, puis au gars sur le balcon. Ok, parfait. Ah, lui, il va s'arrêter. Ok, il y a le dude à la fenêtre, il s'en va. Sur le balcon, ça a l'air de quoi? Ok. Wouah, c'était serré. Là, il est supposé avoir une sauvegarde. Non, même pas. Ok. C'est... ouais. What the... Est-ce qu'il y a l'autre gars là, qui s'en vient là en arrière là? Hop, 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 hop. Oh, petite cachette secrète. Je sais, il y a du monde qui savait pas. Hop, allez, allez, allez. Je vais sûrement faire plusieurs gameplays de League of Legends. Parce que, sérieusement, j'ai vraiment pogné la piqûre de ce jeu-là. C'est vraiment un bon jeu. Puis, tu sais, c'est gratuit en plus. Oh, je viens d'ouvrir les grilles qui étaient juste en face de moi. On va prendre la trousse de soins. La trousse de soins ramassée, ok. Ça, j'ai jamais compris à quoi ça servait. C'est inutile ou je sais pas. Hein. Oh, des munitions. Je savais qu'il y avait quelque chose ici, mais je me souvenais plus c'était quoi ça. C'est des munitions pour mon pistolet. Oh, il y a encore le dude là. Il y a le dude ici, mais lui, il va s'en aller. Si vous le voyez juste là, vous voyez, il va repartir. Quoi? Entrer dans le commissariat de police. Juste savoir, est-ce qu'on peut sauvegarder par nous-mêmes? Inventaire, gadget, objet, ok, ouais, c'est ça. Tac, non. Paramètres du profil, ah ben oui, on peut sauvegarder. Bon, on va sauvegarder. Bon. Attends, je sais pas où est-ce que tu vas, puis lui, il reste planté là. Ok. C'est, ça fait vraiment chier. Tu t'en vas, mec.
Vata. C'est ça, Vata. Ah ouais, wesh. Ah ouais, non, c'est sérieux. Toi, tu t'arrêtes de marcher comme ça. Merde. Oh, merde. Ok, je vais sûrement avancer la séquence. En attendant, je vais manger mes bonnes galettes de sarrasin. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi des galettes de sarrasin, ben c'est comme des crêpes, mais avec de la farine de la plante de sarrasin, ou on a pas rien, c'est vraiment plus bourrin que des crêpes. C'est bien meilleur. Bon. Il est là, toi tu bouges toujours pas. Hop. Tac. Là, je vais le mettre ici, hop. Il y a l'autre qui s'en vient. Waouh, il est loin l'autre. Ok, lui il est plus là. Fait que ça veut dire qu'il fait encore sa petite tournée. Ok, parfait. Mais tu sais, l'intelligence artificielle est comme vraiment stupide là. C'est pas la meilleure intelligence artificielle qu'on a vue, hein. Bon, l'autre dude il est où? What the hell? Comment ça il m'a vu? Non, c'est qu'il y a un doute qui est supposé venir. C'est pour ça que j'attends, puis que c'est comme vraiment long, parce qu'il y a un gars, il est supposé s'en venir, mais je sais pas pourquoi il vient pas. C'est vraiment, vraiment gossant. Est-ce qu'il s'en vient? Non? Ok. Oh shit! Est-ce qu'il y a un dude sur le balcon, là? Ah ok, c'est le gars de tantôt, hein. Merde. Oh, ça va être chaud. Oh, ça va être chaud bien, ça. Non. C'était chaud patate, comme qu'on dit. Oh, ok. Il y a Dude là aussi. Tab, ouais. Hey, il y a vraiment du monde partout. Mais tu sais, moi, je la joue vraiment infiltration. Tu sais, j'aurais pu tuer le policier. J'aurais pu tuer le gars dans la fenêtre. J'aurais pu tuer lui. Puis. Tu sais, c'est comme, ah, super facile, genre, mais non, on va rajouter un petit peu de piquant. Bon, puis le dude, là, il est reparti, ok, parfait. Ok. Merde. Ok, toi tu t'arrêtes là. Tu vas juste t'arrêter. Oh fuck. S'il te plaît. Oh là 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 là, faut pas que je bouge. Ah, des petits moments comme ça.
Là, il se posait, non, non, ah, c'est là que ça arrête. Là, il y a l'autre dos qui s'en vient, mais lui, il part vraiment loin. Fait que, hop, si le policier m'a vu, lui, il est pas supposé me voir. Puis s'il me voit, là, check, hein. Une petite chanson du Skyrim. Hop, allez, va-t'en. Bon, gassion. Bon. Ma. Ma, va-t'en. Maudit moyen. Ben oui, il claque la porte en plus. C'est niaiseux. Bon, toi, tu te retournes. Parfait. Personne d'autre. Hop. Fuck! Là, je suis vraiment dans la merde. Je suis vraiment, mais vraiment dans la merde. C'est vraiment. C'est short! C'est vraiment serré. Hein. Bon, là il s'arrête, est-ce qu'il se retourne? Oh, j'attends quelqu'un, il y a sûrement quelqu'un là. Ouais, c'est ça. Il va sûrement checker dans la fenêtre. Check dans la fenêtre là. Il va checker dans cette fenêtre là. Après dans cette là. C'est vraiment de la synchronisation, je peux vous dire. Bon, ça c'est de l'espionnage, de l'infiltration. Ah, il y a le policier qui est là. Il fait genre, il me semble qu'il y a quelqu'un derrière moi. Mais non. Salut. Il va s'arrêter. Il me semble qu'il y a quelqu'un derrière moi. Non? Ah, ok. Tac. Tac. Qu'est-ce que tu fais? Non? Hop. Et ça va être juste ici. Merde! Oh, sérieux? Nya 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 nya. Non, non. Hop, 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 et on fait tac, tac. Oh, fais pas le Mario, là. Oh, ouais. Oh, fais chier. Ils tirent comme des couilles en plus. Eh oui, hein. Bon, mais cette fin de. Chapitre de mission, on pourrait dire. C'est plutôt mal terminé. Mais là, si j'ai comme chargé la map, un petit chargement, si les ennemis devraient plus être là. Logiquement, là. Parce que c'est comme si on aurait changé de monde. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je me suis dépêché un peu. Alors, non. Tac, inventaire, oui. Oui. Touche noire. Ok, ouais. Parce que tu sais, c'est un jeu sur Xbox, alors. excusez-moi. C'est un jeu sur Xbox, encore, alors ils pensent qu'il y a encore les touches noires et blanches. C'est vraiment pas fort, hein. Entrée code d'accès. Je suis supposé savoir c'est quoi moi le code d'accès. Un code d'accès 5929. 5929. Parfait. Ouf. Ouf, ouf. Ouf, ça va être serré ça. Et je me demande bien comment que je vais. Ça. Je me demande comment que je vais passer ça.
sérieux, c'est abusé, là. Tac. Là, ouais, je vais commencer à... hein? Vous comprenez ce que je veux faire. Mais qui êtes-vous censé être, vous? Tu es en effet mis du bon, man, pour poser une question de même, le philosophe. Bah, tac. Bon, avant ça. Quoi? Hey, calme-toi. Bon, ça se peut que je le tue, puisque ça... hein, vous comprenez. Hein. Allez. Le viseur du pistolet, c'est vraiment de la merde. Hein. Bon, hey, limite. T'es dans limite, là. Bon, ben, crève. Je t'avais averti. Allez. Hop. Comme ça. Oups. Juste au cas où. Toi, est-ce que tu te brises? Non. Me demande qu'est-ce qui est écrit. Vent. Tac. Bon. Oups. Oui. Colle ton mur. Merci. Hein. What the hell? Bon sang, comment c'est arrivé? Ah. Il y avait le dude là. Ok. You. La 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 la. Oh. Fuck. J'aurais pu l'interroger, vous voyez. Ah. Ferme la porte. Merci. On ferme la lumière. Où est le téléphone? On va aller parler au téléphone. Utiliser l'ordinateur. Utiliser l'ordinateur. Non, ok. Ouvre-toi. Ouvre la porte. Barré. Non. Oui. Oui. Oh oh. Et... hop bah, ouvre la porte. Wouah. Ah, viens là, viens là. Oh, j'ai peur. Oh, le con. Oh, le mec, il t'arrive. Hé hé, salut. On va pas le tuer, on va seulement l'assommer. On peut pas? Bon, ok. Active l'objet. On va plutôt le laisser comme ça. Parfait. Oh, nous sommes déjà rendus à 40 minutes. Plutôt longue la mission. Je vais sûrement faire partie 1, partie 2, puisque je dois aller travailler. Oui, malheureusement. Il y avait un long dude. Bon Dieu de bon Dieu. Ah ouais, lui, le petit technicien. Ah ouais, viens-t'en. 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 Ah ouais, viens-t'en. Hop là.
Salut. Oh. Bouge pas ou t'es mort. J'ai besoin de renseignements. D'accord. Je cherche deux Américains, probablement morts. Je... Grinko va me tuer. Ah! Où sont-ils? Pas loin, à la morgue. Ils sont morts. J'ai aidé le croque-mort à trouver les puces sous le cuir chevelu. Les intradermiques? Oui. Et pitié, ne faites pas mal! Non, ne faites pas mal! C'est tout ce que je sais. Ok. Ah! Bon, il y a l'autre qui vient de se réveiller, c'est ça? Ok. Et... Tac. Parfait. Non. Pas comme ça, Sam. Tac, ouvre porte, oui. Ah, c'est celle-là où est-ce qu'il y a rien? Où est-ce qu'il y a rien? Non. Y'a-tu fermé la télévision? Y'a pas fermé la télévision? Bon, on va fermer la télévision. Hop. Y'a-tu quelque chose? Non. Oh, objet, non. Salut. Bon, on peut-tu... Oui? Ah, ok. Non. Non, mais sérieusement, ça sert à rien que je fasse ça. On va juste qu'on va... Tac. On va aller voir ici. Ouvrir. Il n'y a pas fermé lumière. Allons, on utilise l'ordinateur. Non, y'a rien. C'est quelque chose ici. Ah! Les deux Américains. Oh shit, y'a une caméra, c'est vrai? Et où? Et où la petite coquine? Ouh! Ah! Tu me niaises? Est-ce que je viens de la péter ou Ouais, je viens de la péter. Ok. Bon. Non. Oui. J'ai localisé les agents Blaustein et Madison. Paix à leur âme. On leur a enlevé leur intradermique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On suit les intradermiques si on peut. Il y a une caméra de surveillance ici. Bonne idée. On va visionner leurs archives vidéo. Avec une caméra pétée. Aïe, qu'est-ce qui m'arrive? Suis-je trop fatigué pour Jasper Dussel? Jamais. Hoppa. Oh, un autre ordinateur. On va aller hacker Facebook. Vous voyez? Hoppa. Hein? Des balles? Non. Ah, j'ai cru voir qu'il y avait des balles de 5.52 mm. Oh, le canasseur. Non, je rigole. Ah, hop, juste pour être sûr. Me donner le plus d'ombre possible. Ouvrir porte. Louche. Oui. Je pense que je sais où est-ce que c'est. Puis je vais vraiment faire la mission en 1 en 2, puisque là, l'upload il va être vraiment. Ouais, c'est ça. L'upload il va être vraiment long. Là, il y a quelqu'un qui va se plaindre. Ouais, c'est trop long, vous voyez. Hein? Je souhaite parler à votre supérieur. Je peux vous aider, monsieur. En allant chercher votre supérieur. Il n'y a que moi ici. Je peux vous aider. J'aimerais déposer une plainte. Dans ce cas, passez au bureau sur votre droit. Très bien. Il l'a tu complètement nargué, de... Hein? Je peux vous aider? C'est encore vous. Oui, mais c'est le bureau des relations publiques. Très bien.
Je viens pour porter plainte. Bien sûr, monsieur. Si vous voulez vous asseoir, quelqu'un va s'occuper de vous. Vous vous fichez de moi ou quoi? Je peux vous faire arrêter sans problème, monsieur. C'est plus sale. Bon, il y a toi qui vas me faire chier. Fou, moi, loulou. C'est que moi, faut que j'aille là. Au secours. Tu joues à cache-cache, toi aussi? C'est cool, jouer à cache-cache. Quelqu'un d'autre n'aura qu'à s'en occuper. You. Ah, il était là. Allez, retourne devant ton PC de branler. Ouais. Et voilà. Hop. Ouvre la porte. Es-tu bien ici ou je suis vraiment pas sûr. Parce qu'il me semble qu'il y avait d'autres choses. Non, c'est pas ici. Oh oh. Oh, sérieux? Oh 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 oh. Non, ok, oh. Ah, viens-t'en, viens-t'en. Cette opération repose sur la discrétion. Eh oui, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Non, moi, j'aime pas ça, tuer les gens, pis là, ben, j'étais obligé. Donc là, check, hein. C'est pas gentil de faire ça. Hop. Oh, continue. Wow, hein, on allait vraiment attendre longtemps, hein. Ce que j'avais oublié de faire. Continue. Alors. Hop. Et après. Ah, chier. Allez, montrez-vous. Bon, ok, on va au moins recommencer ça puisque c'était vraiment nul. Hop. Il me semble que je pouvais m'accrocher ici. Chier. Qui est-ce? Puis-je me branler en paix, s'il vous plaît? C'était quelle porte, cette salle-là? Ferme la porte. J'ai dit ferme la porte. J'ai dit ferme encore, merci. Les rangs qu'on fait, salut. Non, il est supposé avoir un trou dans le plafond, c'est pour ça. Ah, c'était pas celle-là. Des portes qui s'ouvrent dans deux sens. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Ouvre la porte. Merci. J'aime pas cette ombre.
Le doute, ok, il y a le doute. Dégagez-le. Quoi? Non, ta gueule. Oh. Ok, ben je veux juste voir si c'est vraiment Non, utilisez l'ordinateur. Excellent bon, travail, ok. Fisher. On est en train de parcourir les vidéos. Là, c'est notre homme. Pris la main dans le sac. Vous pouvez chercher dans le fichier d'échelon. C'est déjà fait. Voilà, j'ai une plaque d'immatriculation. 84 KP214. Fantastique, Fisher. On a ce qu'on cherchait. Rejoignez Wilkes. Votre mission ici est terminée. On vous recontacte dès qu'on aura épluché ces données. Bon. Alors, on va recommencer. On était rendu à la fin de la mission. On va la finir en belle. La 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 la. Moi j'ai hâte d'être à Jérusalem. Pour ceux qui ont déjà joué, je pense que c'est soit dans celle-là ou dans Pandora Tomorrow qu'on se retrouve à Jérusalem et on est sur les deux. Tu niaises? Non. Ok. Ok, bye. Tac. C'est fou le dérangement, hein. Ouais, je pense que je vais calculer dans la vidéo combien de fois je me suis fait déranger inutilement par mon frère. Ça va être drôle. Oh! Ça va être ping! Wow! Et... non. Non. Le son il est vraiment dégueulasse. Hop! Ça coche. Merci beaucoup. Bon! Excellent travail, Fisher. On est en train de parcourir les vidéos. Là, c'est notre homme. Pris la main dans le sac. Vous pouvez chercher dans le fichier d'échelon. C'est déjà fait. Voilà, j'ai une plaque d'immatriculation. 84 KP 214. Fantastique, Fisher. On a ce qu'on cherchait. Rejoignez Wilkes. Votre mission ici est terminée. On vous recontacte. Oh. La porte est barrée. Ok. Toi, tu vas crever. Hop, ouvrir porte. Je suis pas sûr là, mais je pense qu'il faut que je revienne. Faut que je revienne. Tu sais où est-ce que j'avais ouvert la porte, puis j'étais dehors. Hein? C'est, je pense que c'est là qu'il faut que j'aille, mais je veux découvrir qu'est-ce qu'il y a ici. Là. Et hop. Ok, c'est juste ça. Mais là, ok. Hop. Ça va prendre quelques secondes. Mais je pense que j'aurais dû faire la mission. Puis après la faire en vidéo. Tu sais, au lieu que je fasse plein de conneries, ou ben vous aimez mieux que je découvre un petit peu avec vous. Puis que ça soit en live. En fait, lui, il va bouger étrangement. C'est cela. Hop. Du magnèse. Bonsoir. Aïe. Hey, je galère vraiment. Non, mais c'est que le viseur du pistolet, il est tellement merdique dans ce jeu-là, là. Regardez ça. C'est comme ok. C'est juste un point rouge, c'est parfait. Yep. Toc. Salut. On va attendre que la porte se ferme. Merci. Là, il va bouger, il va danser la calaracha. Fait que là, on dit bien, mon viseur est sur sa tête. Bon, ok, parfait. Ça couche, monsieur.
Utiliser ordinateur. Merci. Excellent travail, Fisher. On est en train de parcourir les vidéos. Là, c'est notre homme. Pris la main dans le sac. Ah. Vous pouvez chercher dans le fichier d'échelon. C'est déjà fait. Voilà, j'ai une plaque d'immatriculation. 84KP214. Fantastique, Fisher. On a ce qu'on cherchait. Rejoignez Wilkes. Votre mission ici bon, est terminée. Bande de petits branleurs de merde. Et qu'on aura épluché ces données. Là, je suis vraiment pas supposé me faire remarquer, sinon c'est con. Bon, l'autre dude est parti. Yeah! Alors la première mission est finie, comme que c'est écrit. Puis ça fait plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous. J'espère que vous avez pris plaisir à me regarder jouer, puis avoir tant de peine et de misère pour cette fin de merde. Puis laissez des j'aime, des commentaires, abonnez-vous pour pas manquer mes prochaines vidéos et bla bla bla. Ici c'était MRGO63 et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci et bonne journée.